Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons de faire du thé au clou de girofle. Je vais également parler de la différence entre ces deux thés, leurs propriétés, ainsi que de la façon dont j'applique le thé au clou de girofle sur mon cuir chevelu pour le rafraîchir et stimuler la croissance des cheveux. Pour le premier thé, je vais utiliser environ 12 clous de girofle. Bien sûr, vous pouvez en utiliser moins ou plus selon vos préférences. Parfois, j'utilise moins, parfois, j'utilise plus selon ce que je ressens. Je vais ajouter les clous de girofle et une tasse d'eau dans une petite poêle. Ensuite, je vais porter le tout à ébullition. Boire du thé aux clous de girofle vous aidera à résoudre de nombreux problèmes digestifs, améliorer votre santé bucco-dentaire, renforcer votre système immunitaire et favoriser l'élimination de l'acné. Il a également des effets anti-âge et protecteurs sur la peau. Le clou de girofle en général a des activités antioxydantes et antimicrobiennes très élevées. Cependant, vous ne devez pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. J'aime boire du thé au clou de girofle pour deux raisons principales. Pour améliorer mon système digestif et m'aider à garder une peau nette. Parce que oui, j'ai eu de l'acné pendant de nombreuses années et c'était vraiment fatigant et déprimant. Donc maintenant, je suis contente que ma peau se porte beaucoup mieux et je veux que ça continue. Le clou de girofle est un antibiotique naturel ainsi que le romarin. Vous pouvez donc également utiliser du thé au romarin si vous préférez ça. Les clous de girofle présentent des activités anti-inflammatoires, antifongiques, anticancérigènes, antiseptiques, antivirales, antithrombines, antiparasitaires et antidiabétiques. Le clou de girofle aide également à protéger le foie, à réduire le stress, à soulager les nausées et les vomissements. Le clou de girofle a tellement d'avantages pour la santé que c'est vraiment quelque chose que je veux consommer très souvent. Ici, je fais bouillir les clous de girofle jusqu'à ce que l'eau commence à prendre une couleur brune. Ensuite, je retire la poêle du feu et je mets une assiette sur le dessus de la poêle jusqu'à ce que ça refroidisse un peu. Ensuite, je retire l'assiette, prends ma tasse de thé et pose ma passoire dessus et je verse juste le thé dans ma tasse de thé. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, il est temps de boire ce thé. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de faire du thé au clou de girofle. C'est la méthode que j'utilise le plus car elle prend moins de temps. Je vais juste ajouter environ un quart de cuillère à café de poudre de clou de girofle dans ma tasse. Ensuite, je verse de l'eau bouillante directement dans la tasse. Donc oui, comme vous le voyez, c'est assez rapide. Je laisse le thé refroidir un peu. Une fois le thé refroidi, juste avant de le boire, mélangez bien avec une cuillère à café car la poudre de clou de girofle a tendance à se déposer au fond. Donc ici, je bois mon petit thé tranquille. L'utilisation de la poudre de clou de girofle est en fait moins puissante que l'utilisation des bourgeons de girofle, car la poudre de clou de girofle a tendance à perdre beaucoup de ses propriétés aromatiques après le broyage, mais cela fonctionne toujours si vous voulez quelque chose de plus léger. Pour un thé au clou de girofle plus puissant, il est préférable d'utiliser des clous de girofle fraîchement moulus. Vous pouvez en fait moudre vous-même les clous de girofle avec un mortier et un pilon et en moins de 2 minutes, mettez la poudre dans votre tasse et versez directement l'eau bouillante. Voilà, j'ai fini de boire mon thé. Vous pouvez ajouter un édulcorant si vous le souhaitez, mais personnellement, je ne le fais pas.
Maintenant, je vais utiliser le thé sur mes cheveux. Je vais utiliser la première version du thé parce que je ne veux pas de poudre de clou de girofle dans mes cheveux. J'utilise juste mon flacon pulvérisateur et verse le thé à l'intérieur. J'aime utiliser des rinçages au thé après avoir lavé mes cheveux. C'est donc souvent la dernière étape de ma routine de lavage des cheveux et d'ailleurs, je ne rince pas le thé. Alors ici, je vaporise juste le thé en me concentrant sur mon cuir chevelu. Bien sûr, c'est mieux si vous séparez vos cheveux en sections, mais parfois je ne le fais pas. Ce jour-là, j'avais besoin de me coiffer et de faire un chignon juste après ça. J'ai donc fait mon chignon, voici à quoi ça ressemble. Ce n'est pas une coiffure protectrice pour moi, mais je fais des chignons assez souvent maintenant car c'est une coiffure très rapide à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine!